le monde. Très heureuse de vous parler astrologie. Je vais recommencer, je crois, c'est en train de tourner. Alors, bonjour tout le monde. Très heureuse de vous parler tarot. Alors, nous avons décidé, Triumvirat, le groupe, en tout cas avec moi-même, de vous offrir un petit tarot par jour. Alors, un des tarots que j'ai fait, c'est vraiment sur les affaires et l'amour. Alors, voici ce que les affaires nous disent pour aujourd'hui particulièrement. C'est qu'on est dans une période matérielle et financière très abondante. Alors, on n'est pas dans la crise, là, comme on aurait pu le croire ou comme on pourrait le croire, même ceux qui ont perdu leur emploi, même ceux qui vivent des choses difficiles, même ceux qui se disent « Voyons donc, je ne vois pas le bout du tunnel », ben moi, je vous le dis, là, il y a un bout du tunnel. C'est cette semaine que ça va se faire. Mercure rétrograde ou pas, là. Je vous le dis, là, quand les cartes sortent comme ça, c'est pas là-dessus que Mercure rétrograde va venir jouer. C'est à un autre niveau. Je vais vous en parler de toute façon dans une autre vidéo, autrement et différemment. Pour ce qui est de tout ce qui est business, commercial, transaction, faire de l'argent, les gens d'affaires, là, allez-y. Regardez, vous avez le pouvoir entre les mains, là. Vous avez une espèce de bois. Puis le bois aussi, quand on a un tarot comme ça, c'est qu'on peut faire grandir. Les forêts grandissent, hein? Les arbres poussent. On est dans l'abondance terre ici, où tout ce qu'on met en terre, les petites graines que vous allez semer là, cette semaine ou dans les jours à venir, vont porter des fruits fort extraordinaires. Alors moi, ce que je vous invite à faire en ce moment, c'est de vraiment oser aller de l'avant. Puis faites ce que vous aimez aussi. Allez dans ce que vous aimez. Lâchez les peurs. Hein? On est dans la peur, là, la peur que ça ne marche pas, la peur que ça ne réussisse pas, la peur que je n'aille pas ci, la peur que je n'aille pas ça. Puis la peur, ce qu'elle fait, regardez, elle nous emprisonne. Elle nous empêche de développer notre plein potentiel. Alors, je vous invite, puis ça, c'est bien important, parce que comme je le dis souvent, ça ne me donne rien de vous dire que vous allez prendre l'avion si vous avez le mal de l'air. Donc, c'est très important de prendre en main votre destin, de prendre en main ce que vous voulez créer, ce que vous voulez développer, ce que vous voulez mettre en place. Alors, allez-y, vous ne le regretterez pas. Et puis, bien sûr, au niveau du couple, on parle d'harmonie. Il faut mettre l'harmonie dans le couple. Il faut vraiment être capable de se tenir la main, de se jaser, d'avoir un dialogue ouvert, amoureux, sensible. Hein? N'oubliez pas que c'est le solstice d'été en fin de semaine, samedi. Et bien sûr, on va aussi avoir une éclipse solaire. Alors, on fait des rituels, hein? On fait nos rituels, on s'amuse, puis c'est le fun. Alors, voilà pour votre tarot du jour, mais aussi pour la semaine à venir. Puis, je vais vous revenir lundi, à tous les matins, du lundi au vendredi. Je vais vous faire une série vidéo comme ça, où c'est le tarot du jour, où je vous offre ça en cadeau. Nous vous offrons ça en cadeau, Triumvirat. Alors, bonne journée!